parle de business, il faut qu'on parle de travail, il faut qu'on essaie de trouver des solutions en fait à toutes ces personnes qui sont dans un chômage depuis bien longtemps, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Voilà. Il y a quelques jours de cela, en fait, j'ai été contactée par une entreprise qui est en fait un site, un site de petites annonces gratuites en ligne. Il s'agit de Afrimalin. Alors, Afrimalin, en fait, est un site en ligne gratuit qui est représenté en Afrique francophone. C'est-à-dire qu'ils sont représentés au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, en République démocratique du Congo et au Sénégal. Voilà. Donc, c'est un site comme ça, en fait, où vous pouvez aussi vendre des articles, des voitures, des téléphones et tout ça. C'est vraiment le e-commerce par excellence, en fait. Et à côté de ça, en fait, ils ont une rubrique, en fait, qui est où il y a des offres d'emploi. Et c'est un trait d'union direct, en fait, entre l'employeur et la personne qui souhaiterait trouver du boulot. Voilà. Donc, ils m'ont proposé comme ça, en fait, de pouvoir faire un partenariat avec eux qui va consister à ce que je puisse relayer à chaque fois les informations concernant les différentes offres d'emploi quotidiennes. Et donc, à ce sujet, j'ai refusé catégoriquement, en fait, de prendre de l'argent ou d'avoir un quelconque bénéfice ou... Voilà, j'ai voulu vraiment le faire à titre gratuit parce que je suis vraiment soucieuse en fait du chômage grandissant en Côte d'Ivoire. Ouais, d'abord, on va commencer d'abord à parler de mon pays. Voilà, je sais que je suis suivie par pas mal de personnes, mais je parlerai de la Côte d'Ivoire parce que du coup, j'ai accepté en fait de relayer les informations concernant la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, en fait, je vais mettre comme ça des annonces. Tous les jours, je mettrai au fait des annonces en fait concernant des offres d'emploi. Voilà, c'est dans différents secteurs d'activité, hein. C'est différents salaires aussi. Voilà, je pense que chacun y trouvera pour son compte. Alors, ce que je vous préconise en fait, c'est déjà de préparer des CV. Pour ceux qui n'ont pas de CV, en fait, il serait bien déjà d'avoir un petit CV comme ça sous l'oreiller, comme ça dès qu'il y a une annonce en fait qui match avec vos attentes, vous pourrez automatiquement en fait postuler. Voilà. Il est très important, en fait, de se lever et de se battre, mais réellement. Voilà, c'est une opportunité qui s'offre à nous, qu'on puisse avoir comme ça en avant-première, en fait, toutes les offres d'embauche, en fait, à Frimalin. Et moi, en fait, dès que je les poste le matin, ça veut dire que c'est vraiment de façon incessante que l'employeur, en fait, a besoin d'employés, en fait. Voilà, donc il faut vraiment que vous soyez au taquet. Il faut vraiment que les CV soient prêts et que dès que vous voyez l'annonce, vous cliquez sur le lien et direct, en fait, vous postulez. Voilà. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, on parle d'Afrimalin. On parle d'Afrimalin, en fait, qui est un site en ligne. Voilà. Qui est en contact direct avec les entreprises qui sont en quête d'employés. Et donc, du coup, moi, tous les jours, quotidiennement, je mettrai des offres d'emploi comme ça. Et puis, on verra bien. Voilà. Donc, c'était un peu ça à ce sujet. Donc, j'attends vos questions concernant Afrimalin. J'aimerais avoir les questions au sujet d'Afrimalin parce que c'est un direct très court que je vais faire et c'est un direct que je vais effacer automatiquement parce que voilà. Et donc, j'attends vos questions que je réponde assez rapidement. Voilà. Et puis, on va continuer. À côté de ça, en fait, je vais vous parler d'un livre. La perfection, c'est toi. La perfection, c'est toi. C'est un livre que j'ai reçu en fait de Ama Désirée, qui est une fille de notre team, qui a écrit un livre mais magnifique. Ce livre, il est complètement mais magnifique, magnifique ce livre. C'est une meuf de la team, donc c'est une personne parmi vous qui m'a ramené 2 exemplaires comme ça chez moi à mon adresse. Et je crois que je l'ai lu en quoi ? J'ai lu en 2 heures. J'ai lu en 2 heures. Et franchement, ça parle en fait de personnes qui douteraient. Voilà, c'est-à-dire que si vous doutez de vous, si vous vous regardez devant une glace quotidiennement et que vous vous dites « Est-ce que je suis assez bien pour faire ci ? Est-ce que je suis assez bien pour faire ça ?» Si vous posez des questions en fait sur votre personne, si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, je vous préconise de lire ce livre. Il est très motivateur, il est très motivateur. Franchement, à ma désirée, je ferai un post là-dessus.
Je ferai un post là-dessus, je mettrai tous les contacts pour pouvoir rentrer, pour pouvoir se procurer ce livre. Il est juste magnifique. Et j'adore en fait recevoir des trucs comme ça, des gens de ma team, parce que je vois que j'ai une team très intellectuelle, j'ai une team en fait qui ne glande pas, j'ai une team en fait qui se bat. Et parmi dans notre team, on a des écrivains. Et Amma Désiré fait partie de notre team. Et franchement, son livre, c'est juste un bonheur, un pur bonheur. Voilà. Charles Rollins, le nom, c'est La Perfection, c'est toi, de Amma Désiré. Mais dans soirée, je mettrai en fait bien une photo avec le lien pour pouvoir se procurer ce livre. Il est juste génialissime. Voilà. Donc, Fanta Traoré, mais il y aura toutes sortes de métiers, justement. Il y aura toutes sortes, je ne peux pas vous dire là comme ça les métiers qu'il y aura, mais il y aura tout genre de métiers, en fait, avec toutes sortes de salaires possibles et inimaginables. Donc, il faut vraiment être au taquet. Il faut vraiment suivre les publications. Et puis, voilà, postuler, en fait, quand c'est quelque chose qui vous sied. La Mindia, exactement, pour optimiser la confiance en soi. Merci pour les mots. Exactement. C'est vraiment ça, quoi. Il est magnifique, ce livre. Même moi qui ai une confiance... J'ai une grosse confiance en moi. Je pense que vous le savez déjà. Mais même moi, en fait, il m'a donné un boom encore. Donc, voilà. Asta Iboudo. Je ne sais pas si on le trouve à Abidjan. Je pense que plutôt en ligne. Je pense que vous pourrez le trouver en ligne. Je mettrai tous les contacts nécessaires pour pouvoir vous procurer ce livre, en fait. Il est génialissime. Franchement, j'ai eu à discuter avec l'auteur qui est Amma Désiré. C'est vraiment une femme qui est génialissime. Elle a un phrasé, elle a un intellect qui ne dit pas son nom. Franchement, je ne sais pas que j'ai des gens comme ça dans ma team. Chapeau. 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 Franchement, j'ai du beau monde quand même sur ma page. Et je l'ai lu en quelques heures. Juste le temps de faire mon voyage, en fait, j'étais en train. Je l'ai terminé. Il m'a fait beaucoup de bien. Paula Fontacamara, voilà, ce qui est bien sur ce site, postuler, c'est trop, voilà, c'est très simple et rapide, effectivement. Postuler, en fait, sur AfriMalin, c'est vraiment très, très, très simple. Surtout comme moi, je fais les annonces comme ça sur ma page. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien, vous postulez en un clic. En un clic, c'est vraiment easy de chez easy. Donc, du coup, il n'y a plus vraiment d'excuses, voilà. Ma team, on n'a plus d'excuses. Là, je suis en partenariat avec quand même un site, et non des moindres, qui a quand même pas mal d'offres d'emploi. Et je pense que c'est le moment, en fait, de se grouiller, de se lever. Et Ludovic. Ludovic, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit aux excuses. Tu ne peux pas me dire que, ouais, gna 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 gna. Je ne veux plus entendre ça, Ludo. Ok, Ludovic, tu te postes tous les jours sur ma page le matin vers 9h par là, heure de France. Je te mettrai une liste de jobs. Ok, on va même pistonner certains qui en sont dans la nécessité. Mais je vous préviens, vous restez là. Ludovic, tu n'as plus droit. Ludovic, pour le coup-ci, tu n'as vraiment plus droit à l'erreur. Voilà. Thérèse et Firé, mais mes produits sont déjà vendus au Gabon, c'est juste que vu la situation, une fois que les aéroports seront ouverts, on pourra faire le réassort en fait, de nos représentants sur le Gabon. Sinon, nous sommes déjà représentés au Gabon. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est dingue qu'on doit parler de trucs très importants et pas beaucoup de monde. On est à peine 600 et quelques, près de 700. C'est dingue, en fait, qu'on doit parler de job, qu'on doit parler de... Qu'on doit parler en fait de choses vraiment très importantes, c'est quand même grave que ça ne vous intéresse pas autant que ça. Et après, vous vous plaignez en fait de ne pas avoir de boulot, vous vous plaignez en fait que les moyens sont durs. Mais quand on essaie de vous trouver des solutions, bah, vous répondez aux abonnés absents. Et voilà. Mais j'espère que quand même parmi ceux qui sont là, j'ai assez de Ludovic, j'ai assez de Séverin aussi. Vous savez, les papas qui ne comprennent pas les pensions alimentaires, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens là. Voilà, on a des jobs pour vous. Vous allez aller travailler, charbonner et ramener la pension alimentaire maintenant. Ça suffit là. Voilà. Donc, j'attends vos questions concernant AfriMalin, parce que ce direct, c'est vraiment uniquement pour AfriMalin. Voilà. Et j'adore, en fait, j'adore ce truc. Franchement, c'est vraiment un secteur qui est en pleine croissance, quoi. Voilà. C'est vraiment un secteur qui est en pleine croissance, qui propose des solutions adaptées, en fait, aux attentes. Et je trouve ça génial. Voilà. Aux attentes et aux besoins du consommateur. Donc, je trouve ça simplement génial, en fait. Voilà. Et c'est vraiment avec un plaisir que j'ai accepté ce partenariat sans faire ma star ou quoi que ce soit. Je me suis dit, écoute, la dame, elle m'a dit, t'es sérieuse, tu as vraiment accepté ça gratuitement? J'ai dit, ben oui, j'ai accepté ça gratuitement parce que c'est important quand même que,
on puisse trouver des solutions pour ces personnes qui... Voilà, il y a des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent vraiment travailler, il y a des gens qui veulent vraiment s'en sortir et qui n'ont pas de bonnes adresses, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de bonnes adresses, qui ne savent même pas comment postuler, qui ne savent même pas s'il y a des demandes, il y a des offres d'emploi ou pas. Donc du coup, je me dis, why not? Si je peux être ce canal-là, en fait, pour permettre à certaines personnes d'avoir l'information, why not? Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, ma team. Je voulais vous parler d'Afrimala. Et retenez qu'ils sont représentés au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, en République démocratique du Congo, au Sénégal. Voilà. C'est vraiment l'acteur majeur du e-commerce. Franchement, c'est peu de le dire. C'est vraiment l'acteur majeur du e-commerce sur le continent africain. Très sincèrement. Voilà. Et au risque de me répéter, vraiment, ils déploient vraiment... Ils se déploient vraiment sur un secteur en pleine croissance, en proposant vraiment des solutions adaptées aux consommateurs. Et en ce moment, franchement, pour moi, Afrimala, c'est le top des tops, quoi. Donc, restez connectés sur ma page. Restez connectés. Je vais quotidiennement, en tout cas, je vais mettre à chaque fois des offres d'emploi. Et puis, voilà, quoi. Fleur, beaux yeux. Afrimala, en fait, c'est un site de petites annonces. Voilà. Ils sont en collaboration directe, en fait, avec des entreprises, des sociétés, en fait, qui souhaitent embaucher. Voilà. Donc, eux, en fait, ils relaient l'information. Et donc, moi, qui suis en partenariat avec eux, je vous relais aussi l'information sur ma page. Et voilà, c'est un peu ça. Claudia, non, ils ne prennent aucun frais de dossier. Absolument aucun frais de dossier. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ma team. Bah, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Comme je disais tantôt, c'était un truc vraiment très speed, OK? Pour vous dire que voilà, je suis avec vous. Je suis avec vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Brown Daddy, le confinement est fini. Les gens travaillent. Bon, c'est fini, les mille vues, on dira. Oui, c'est vrai que les gens travaillent beaucoup. Donc, c'est vrai que les directs, il n'y a pas forcément beaucoup de vues. Mais c'est pas ça. Là, ce direct-là, ça s'adresse vraiment à ceux qui ne travaillent pas. Je sais que c'est une boutade que tu as essayé de faire, mais je ne vais pas te répondre parce que tu es encore plus ridicule que ton commentaire. Donc, ce direct-là, en fait, s'adresse vraiment à ceux qui ne travaillent pas, justement. Ceux qui sont dans le chômage. Des joueurs de ludo comme toi d'ailleurs. Donc je pense que tu ferais mieux de t'asseoir, de te poser tranquillement et puis de voir qu'est-ce que tu pourrais en tirer de tout ça. Voilà. Voilà ma team. Voilà. Donc on se donne rendez-vous demain. Voilà, donc tous les jours je vais vous mettre des annonces en fait. Et Charles Rawlings, ah non, il faut que je parte en fait. C'est vraiment pas un direct qui a été prévu en fait. D'ailleurs, je vous ai pas du tout prévenu. C'est vraiment très speed, juste pour parler d'Afrimala. J'ai dit à peu près l'essentiel qu'il fallait savoir. Et donc, on se dit take care quoi. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Yérim Kadidia, non, t'inquiète pas, je risque pas de vomir sur vous. J'espère que tu as du boulot, mon gars. Si t'as pas de boulot, mais je t'invite demain matin à la première heure. Je vais mettre encore des annonces et j'espère que tu pourras y postuler. Ça t'évitera d'être moins aigri et ça t'évitera d'être plus épanoui. Voilà, je suis pour vous, je suis là pour vous. Tout ce qui est Ludovic, tout ce qui est Sévérin, tout ce qui est ces hommes aussi qui ont beaucoup de niaques mais qui n'ont pas d'opportunités, ces vrais hommes, ces vraies femmes qui n'ont pas d'opportunités mais qui ont beaucoup de niaques, c'est exactement aussi pour vous. Voilà. La Mindia, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on continue le sujet le dimanche? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va plus ergoter là-dessus. Et puis, voilà. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, on reste connectés. Comme je le disais tantôt, il n'y a plus de place pour le chômage. Il n'y a plus de place pour l'oisiveté. Il n'y a plus de place, en fait, pour les joies de Ludo. I say. OK? Allez, je vous embrasse. À bientôt.